Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Fallout 3. Et donc nous allons reprendre donc de la cabane des comment que s'appelle des vigilants, ça existe en vrai, des régulateurs. Enfin ça existe en vrai, ça existe dans les comics. On va reprendre de là donc, et est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à aller chercher dans le coin? Non. Bon bah écoutez, on va stacker le fameux camp de bandits, de vilains monsieur. Monsieur et dame sûrement d'ailleurs. On va sortir la grosse artillerie directement, voilà. Oh! Vous êtes sérieux là? Comment ça se fait que je l'ai à peine touché? Appelez! Ah non, il est pas infirme du bras droit là, techniquement il est infirme d'autre chose. Un endroit qui fait beaucoup plus mal en fait. Bon, bah c'était peut-être commence bien. C'est juste une décapitation en direct quoi. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'ait pas vu de plus grosses bestioles, en l'occurrence les éventreurs. Mais je crois qu'ils arrivent qu'à partir du niveau 20. Bah mince. Je l'ai fait sauter le pauvre bonhomme, ah le voilà. Coup de poing à pointe, ça m'intéresse pas. Le doigt par contre, je vais le prendre. Vous savez, maintenant ça nous rapporte du karma et de l'argent. Le mieux c'est d'avoir les deux, il me semble qu'on peut avoir les deux, hein, gentil comme méchant. Appelez. C'est vachement furtif comme attaque, hein, n'est-ce pas, chers amis? Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Hop. Ça se passe plutôt bien. Lui sera un peu plus problématique. Quoi, danger? Préfère. Où est-il? On a tous vu la porte s'ouvrir, hein. Mais personne dedans. Ah bah pourtant j'ai vu quelque chose. Vu quand tu vas voir tous les cadavres. Non c'est bon. Est-ce que j'ai des ennemis à proximité? J'ai des ennemis à proximité. Bam! 5, danger. Grenade. Aïe. Eh oui. Là. Peut-être pas exagérer non plus, hein. Bon, peut-être moi qui exagère. Apparemment, c'est moi qui exagère. Allez. T'as fini de le recharger, ton flingue? Vous êtes infirme. Non. C'est vrai. Hop. Bon, maintenant, est-ce qu'il reste des ennemis? Non, il ne reste plus d'ennemis. 12 heures d'attente. Hop. Ça permet d'avoir le plein jour.
Et on n'a pas eu de respawn, c'est génial. Tout se passe parfaitement bien. Alors, il n'y avait pas genre un mec là-dedans. Du sang partout. Mais pas de mec. Ah non, il était là-dedans. Il y en avait une là. Ah, par contre, il y a des trucs à visiter. Arsenal! Ouh! Ah oui, mais est-ce que ça donne l'arsenal, arsenal, genre arsenal... Non, pas cette musique à la con, pas cette musique à la con. Je veux pas entendre cette musique, je ne veux pas entendre cette musique, je ne veux pas entendre cette musique. Musique, musique, musique à la con, musique à la con, musique à la con, musique à la con, musique à la con. Je ne veux pas entendre cette musique, je ne veux pas entendre cette musique, cette musique, cette musique est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. C'est de la merde, 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 c'est chiant, ça va me pourrir mon épisode. Ça va me pourrir mon épisode. What? En plus, je me bouffe des radiations à chier. Non. Ah oh, bon, de toute façon, c'est fichu pour cet épisode. De toute façon, je suis pratiquement sûr que c'est fichu, c'est fichu, c'est fichu. C'est complètement fichu. Oh la vache, plus j'avance, plus je me bouffe des radiations. C'est violent. Bon, attendez, faut qu'on règle le problème de radiation. Vêtements. Tenue anti-radiation. Tenue environnementale. Oh la vache, c'est tout ce que ça me prend. 30%, bah oui, c'est 3 points en moins par seconde, quoi. Ah, par contre, oui, du coup, mon armure est... Oui, forcément. Donc, je vais utiliser de l'eau sale pour me régène. Oh, la vache! La vache, c'est violent, quand même, hein. Est-ce qu'on se bouffe? Waouh, j'avais pas vu! D'accord. Ok. Wouah. Radaway, Radaway. Système de contrôle des tourelles. Concerned, non. Prolonged, non. Conqueror, non plus. Putain, je suis en train de crever des radiations, sale con. Repressed, non, c'est pas ça. Respected. Suspected. Saluted. Depending. Ah 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 ah. Defeating, non. Arranging, non plus. Allez! Somewhere over the rainbow. Somewhere over the rainbow. Developed, non. Searching, non plus. Releasing, non plus. Putain! Tu vas me le pondre ce mot de passe? Resaving, non. Ça peut pas être recycling. Preparing, non. Accepting, non. Putain, mais. Il n'y a pas de ing vu qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Implanted, non. Conqueror, pourquoi pas. Convince, ah. Ça y est, on l'a eu. Putain. Tant bien que mal. Allez. Désactiver le contrôle des tourelles. Voilà, par contre, les radiations sont toujours là. Hein. Non, quitter. Grenade, ça ne m'intéresse pas. Steam Pack, ça m'intéresse. Ta 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 ta. Qu'est-ce que... Un raider qui était là? D'accord. Manta. Je prends les mantas. Oh la vache, je peux pas aller plus loin. Je me suis bouffé des radiations pour rien. Ah oh, putain, puis la musique à la con. C'est la... Ah non, il s'est mis à parler? Non? Attendez, il y avait une pièce derrière. Ah non. Niveau de radiation augmenté. Mais oui, non, mais c'est bon.
Mais ne sois pas triste, Amérique. Putain, elle était là. Non. De toute façon, mon épisode est fini maintenant, c'est baisé. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai de l'aide maintenant dans mes achats. Merci gamesplanet.com, on pourra trouver les liens donc de Fallout dans le descriptif de l'épisode. C'est l'énergétique capsule. Pistolet laser, falloir que je m'y remette parce que je commence à avoir plein de cartouches. Enfin de micro-cellules à fusion. Une caisse de grenades, c'est pas la peine, ça va me prendre de la place plus qu'autre chose. J'utilise pas assez. J'ai vu 12 steam packs, non j'ai me trompé, c'est pas possible. Toujours les drogues, hein, ça fait toujours du bien. J'utilise pas exprès, hein, j'ai pas envie d'avoir des emmerdements au niveau des manques. Parce que oui, on peut être en manque de drogue. Apparemment, il y a encore des ennemis dans le coin. Bonjour madame. Vous avez des cheveux roses, madame. Alors madame, excusez-moi, je vais remettre mon armure madame. Permettez-moi, je vais me déshabiller, puis me rhabiller devant vous. Oula. Bonjour madame. Alors madame, comment allez-vous madame? J'espère que tout va bien pour vous madame. Permettez madame. J'ai tendance à décapiter les gens, c'est peut-être pas si bien que ça en fait. Oui, je sais, vous m'entendiez tous en train de crever, mais j'espère trouver encore une salle de bain potable. On verra bien. Pour moi, il y avait quelqu'un de méchant dehors. Il y avait un vilain. Alors je conçois que ça puisse être chiant. Ce petit son à la con qui est très répétitif. Bloum bloum, doum doum, doum doum, doum doum. Mais rassurez-vous, ça devrait être bientôt fini. Rien du tout par là. Bah, il devait y avoir des chiottes dans cet endroit-là, non? Même pas. Bon bah d'accord. What? Bon, sauvegarde rapide. Bonjour. Raté. Touché. Tout est fait, baiser. Donc le système du V, du SVAV que vous pouvez voir là, aura changé dans le 4. Il aura changé dans le sens où en fait, il te permettra d'obtenir en plus des points. Donc tes points d'action seront utilisés pour le SVAV. Ou pour le sprint, parce qu'on pourra sprinter dans le 4. Et à force d'utiliser le SVAV, on pourra déclencher une attaque, ou alors à force d'utiliser des armes, on aura des chances de déclencher une attaque critique, un tir critique qui sera déclenchable à volonté par notre personnage. Ce ne sera pas par exemple une barre à remplir qui tire automatiquement un critique. Donc ce sera quelque chose qui sera à la demande du joueur, à l'envie du joueur. Un cérébrobot. Un cérébrobot militaire en plus. Pim 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 pim. Pim 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 pim. Pim 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 pim. Pa, 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 pa. Bon, ça se passe plutôt bien. Encore plein de choses à visiter par contre. Hein. Oh, dans la ville là-bas, il y a peut-être de la bouffe. Par contre, niveau ferraille, je pense qu'il va falloir que j'aille faire un tour quelque part parce que... En tout cas, il y a peut-être au moins
Une bouche à égout sur laquelle je pourrais me rassasier. Me déshydrater. Me réhydrater, pardon. Justement. Bonjour. Une bouche incendie, voilà. Hop, buvons un coup. C'est pas grave, il nous reste encore quelques radaouais, chers amis. Puis ça fait toujours du bien de boire un coup, hein. Alors, il y a des modes qui permettent de gérer la soif et la faim dans le jeu. Bon. Le début de partie est déjà assez dur en soi, il n'y a pas besoin de se rajouter de la difficulté, je pense. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Belle voiture. Ah, pas de porte derrière non plus. Non. Bon. Progressons, progressons. Après, on commencera un petit peu à reprendre l'histoire principale. Alors, souvent, ce genre d'endroit, c'est des super mutants. Il y a une Corvega. Corvega. Je connais pas. On ira une autre fois. Alors, il y a ce qui m'intrigue le plus, c'est qu'il ne semble y avoir. Un eyeball bot, je sais plus. Un eyebot, ça doit être ça. Bon, vous savez quoi? On va retourner à Megaton. Parce que vous voyez, on est en train de longer la frontière en fait là. Donc on va retourner à Megaton qui doit se trouver ici, voilà. On va donner la ferraille parce qu'on doit en avoir un paquet, on va aller ranger notre bordel, on va aller se soigner, on va tout faire. Et on va se préparer à aller continuer, ah voilà, regardez. J'aimerais qu'il y ait plus de gens voilà. Comme vous. Je tiens à vous donner ceci, j'espère que ça vous aidera à vous protéger. Merci madame, certainement, merci. Non, merci. Et voilà, et ils peuvent vous donner des trucs comme ça complètement random à longueur de journée. Hop les. Je vais te boire un coup. Alors, on va aller voir l'autre mec là, l'autre bonhomme là. Combien qu'on a de pesetas sur nous au fait? 2500 caps. Potable. C'est très 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 potable. Salut l'ami. Quels sont les besoins? On va y acheter de la ferraille. J'en ai 15 à vendre. Prenez toute ma ferraille. Bon. On avait 18 sur moi, vous voyez. Laissez-moi le temps de compter vos capsules. Hop. Level up. Oula. Oui, bon bah pourquoi pas. On pourrait mettre crochetage. Crochetage, il est où là? Mais on n'a pas ce qu'il faut. Si, il en faut, 20, il en faut 22, on n'a pas ce qu'il faut. Ah, je monte à 60, comme ça on pourra le mettre dans un prochain niveau. Au niveau science, je monte. Ah, je monte à 65, à 64. C'est tout ce que c'est par palier, mais bon. Tu as un gage, voilà, tu es des bonnes personnes. Cyborg. Vous avez amélioré de manière permanente votre corps. La petite cyborg augmente de 10% la résistance aux dégâts, aux poisons et aux radiations de 10 points à la compétence d'armes et énergie. C'est pratique ça. Ouais, bah je pense qu'on va partir là-dessus. Cyborg. J'ai pas les yeux rouges par exemple. Non, dommage. Le mec qui tente sa chance comme ça. J'ai pas les yeux rouges, non. Dommage. Putain, mais à chaque fois que je te vois là... T'as pris des dégâts? Bizarre. Bizarre, bizarre. Bonjour madame. Oh. Non. Voyons ces marchandises. Voyons voir ce que je peux te vendre, ma coquine. Ok. ...225, merci. Qu'est-ce que tu as, toi, à vendre, cependant? Niveau des armes.
Chapeau de chasseur de tempête, ça peut être cool aussi. Mais c'est pas celui qui m'intéresse malheureusement. Bon, rien à vendre d'intéressant. Hop. Ma machine Nuka-Cola, maison jukebox, ça m'intéresse pas la jukebox. Établi, ça m'intéresse. Hop. Parfait. Au niveau de l'armement. J'aurai des réparations à faire. Mes mines à impulsion, je vais t'en vendre 5. Grenade, mes grenades, je les ai pas vues. Grenade à impulsion, grenade frag. Je vais lui en vendre 13. Grenade à impulsion, je vais lui en vendre 5. Et voilà. Voilà, le... ça aussi. Hop. Mince, je me trompe de bouton, chers amis. Bonne chasse. Vous pouvez réparer mon matériel. Oh, 24 en répar... putain, 1500 qu'elle me biffe pour tout réparer. Saloperie. J'aurais mieux d'y aller. Alors, on va aller voir mon établi. Et ensuite, j'aimerais aller voir... je crois pas que j'ai encore le niveau requis. Je sais pas si c'est difficile ou très difficile pour aller dans l'arsenal de Megaton. Ça pourrait être intéressant. Vous devez avoir des choses à faire, chers amis, là-dedans. Après, il faudrait voir si... ah, bah le voilà. Parfait. On va aller se faire soigner. On va aller faire créer un... hop, voilà. Vous soignez. Rétablir les parties du corps abîmées, neutraliser toutes les radiations. Hop, hop. Voilà, ça marche. Mon premier laboratoire. Ah, je fais un composé. Steampack ajouté, parfait. Vous désintoxiquez. Créer un nouveau composé. Parfait. F5. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, il y aurait quelque chose à boire. Ah, voilà. Tout ça, je le sais. Raconte-moi une blague, même si comment marche mon premier laboratoire. Tu peux me dire quoi sur l'établi? Ok, bon, tout ça, on le sait, chers amis, il n'y a pas de problème. Donc, on va aller, je pense, voir au niveau du truc de Megaton. Je me rappelle plus trop quel niveau il faut, enfin, quelle compétence il faut pour y arriver. On va bien voir, hein, de toute manière. Salut Lucie. Oh, quand je dis ça comme ça, ça me fait penser à Fairy Tail. Très exactement. Très difficile. Vous croyez que Lucas Sims, il a son... bah, il sera pas là de toute façon. Ou alors c'est Nathan qui les a. Non. Qu'est-ce que vous fabriquez? Rien, t'as rien vu. Si t'as un problème, on peut se caler une balle en... je peux te caler une balle entre les deux yeux, on va voir si ça résout le problème. Hein. C'est souvent assez efficace, hein. C'est meilleur que de l'aspirine en tout cas. Je regrette, j'ai des choses à faire. Peut-être plus tard, d'accord? J'ai pris pour une fille au début, tu sais. Bon pauvre. Bon, écoutez. Et ne vais pas m'embêter, hein. Ah, il y a du monde devant. Non? Ah oui, il y a la sniper en haut. Bienvenue à Megaton. Merci. Restez à l'écart de la porte. Oui, monsieur. Bon, bah attends, je vais donner un petit coup de flotte à ce bonhomme-là, après tout. Je ne vous oublierai jamais. Ça me gêne de le... voilà un peu d'eau purifiée. C'est sérieux. J'insiste, c'est le moins que je puisse faire. De... besoin... voilà. Grailler. Non, ça ira. Le brasse lanterne. Bon, bah écoutez les amis, on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Pérou, on peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Rejoindre aussi... cliquez, pardon, dans le... donc rejoindre le groupe Steam. Cliquez dans le descriptif de l'épisode ou aussi dans la bannière de la chaîne, donc vers mes liens de gamesplanet.com,
qui est mon partenaire. Donc voilà, encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop, et yop.